ça comme ça. Toujours préparé, évidemment, c'est préparation avant tout. Quand on doit nourrir un serveur de potions, c'est qu'ils sont gourmands les gens ici. Hein, en potions. Ah ouais, ils gaspillent pas mal, on va dire. Donc, nous te suivons. Bon, Aragorn, je te laisse te présenter peut-être le sous-sol. Ah oui. Ah, ils y sont d'ailleurs. Donc, on y va, c'est parti. Donc là, on va arriver où on fait des tests sur des poissons. D'accord. Et en fait, là, c'est où on met les poissons en bonne santé. Puis là, on a fait un test sur des poissons. Puis comme là, on voit qu'ils sont orange, c'est qu'à mon avis, ils ont été contaminés. On leur a donné de la viande de zombie. D'accord. Ben, on voit ça. Ils ont l'air bien vivants, en fait. Ici, là où il y a le verre, en fait, c'était, il y avait deux silverfish qui avaient, les poissons s'étaient transformés en silverfish avec ce qu'on leur avait donné. Je sais même plus ce qu'on leur avait donné. Je crois que c'est King qui s'en est chargé. Vous êtes un peu des criminels, en fait. C'est ça, vous mélangez des potions, vous faites des trucs un peu chelous avec vos trucs. Là. Ouais, à peu près tout. Enfin, on va dire qu'on fait tout ce qu'on n'a pas le droit de faire. D'accord. Exactement. Et donc, la suite alors, c'est par où? C'est par ici, je pense. Ici. La partie D'accord. du sous-sol. Ah, ça a été redesigné ici, je vois. Eh ouais. Oui. D'accord. On s'est occupé parce que ça me saoulait un peu de voir toute la cobble. Voilà, alors là, on va être une vingtaine entassés dans 5 mètres carrés. Voilà. Ici, c'était l'ancienne salle où il y avait tous les alambics et tous les coffres. Enfin, les coffres sont encore là. Cette partie, c'était les coffres où on mettait les potions coffres, déjà prêtes. Et puis cette partie c'était où il y avait tous les ingrédients. Il y a déjà pas mal de trucs qui ont été changés. Il y a déjà pas mal de potions, je vois ça déjà. Des speed 3 là, hop là, je vais m'en prendre une petite. Hop là. Bah, c'est à dire on taffe. Hein. Merci. Ah, la tournée elle était pas mal. Ici il y avait une petite poubelle, enfin. Ok, comme... toujours. D'accord. Ah. Ah, la petite poubelle. Là. Me poussez pas dedans, s'il vous plaît. Donc, c'est sympa, voilà. C'est sympa. Franchement, petite pièce assez agréable, avec plein de modifications a été apportées déjà, c'est pas mal. Et donc, je trouve que ça gagne un peu plus. Ouais. Donc, nous allons faire la suite, je pense. Ou si c'est tout ici. Bah oui. Ouais, c'est tout ce qu'il y a. Bah, vous pourrez arrêter de jouer avec le levier, s'il vous plaît. Merci. Donc, juste à l'entrée, il y a des cannes à sucre qui m'ont beaucoup poussé. Avec King, on a aussi inventé une nouvelle potion. Et quand on la lance, en fait, bah, ça les fait pousser de deux d'auteur de plus. Wow. c'est une question. Petite question, est-ce que vous aussi, vous avez subi des expériences ratées? Parce que des fois, on se oui. Mais quand on voit Aragorn... quand vous voyez Manette... il a beaucoup servi ce bail. C'est vrai, il a toujours la bouche ouverte, je sais pas, c'est... c'est... Une tête chelou. Le plus grand combat qu'on a eu pour l'instant, c'est Tank. On a... En fait, on voulait le transformer en Joker, et puis on a eu un gros problème, puis maintenant il n'arrête pas de sourire. Et il est tout rouge. Et puis il est devenu tout rouge. Non, 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 une potion de stade, mais c'est là. Encore une fois, désolé Tank pour toutes les potions qu'on t'a fait boire et tout ça. Excuse-moi. Donc on va passer à la suite parce que sinon. Mais Beka, on a encore un truc des alchimistes. Oui. Vous savez quoi encore? Dans le Nether. Dans les Nether. Oui, dans le Nether. Oui, on va faire un petit tour vite fait. Au pire, la vidéo, les chers abonnés, on vous fera une deuxième partie vu qu'on a énormément de trucs à vous montrer. Donc c'est parti, tête baissée dans le Nether et c'est parti. Oh embouteillé. Moi je dis que c'est un fail car le Nether ne fonctionne plus. Fail, c'est vrai. Il ne fonctionne plus pour. Et nous revoilà sur Surville. Donc, petite coupure vite fait pour voir que si le Nether fonctionnait, mais il ne fonctionne toujours pas. Donc petit problème technique évidemment, c'est pas. Quel dommage. Quel dommage, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Donc maintenant Domi, on va se diriger dans quel endroit du serveur? Bah, tout droit. Tout droit. Sur la jolie route qu'il y a maintenant. Ok, bah, je te suis. Donc ouais, une jolie route oui qui mène pas. Qui est une jolie route qui mène à nulle part, voilà. J'aime beaucoup le. Mène à une vieille mine. Ouais.
Donc, on y arrive. Intéressant. En même temps, c'est normal, hein, c'est RP, donc ils n'ont pas eu tout le temps de faire toutes les routes. Alors, on n'est pas des petits Chinois. Ouais. Donc, nous arrivons où, là? Mais là, en fait, nous pouvons observer sur ta droite, toi. Donc, oui, ici, c'est, ce sera l'élevage, en fait, la session élevage des moutons et tout ça. D'accord. Il y aura quoi dedans, exactement? Multicolore. Il y aura les moutons, mais rentre déjà dedans, et voilà. D'accord. Donc, vous voyez qu'il y a des maisons, en fait, avec plein de couleurs. Et nous allons teindre chaque mouton et les faire se reproduire à la couleur demandée, en fait. Donc là, si je comprends bien, c'est la zone du mouton blanc, en gros, c'est ça? Ok, voilà. D'accord. Là, c'est le mouton blanc, à côté, c'est le mouton gris, après le noir, et en face, il y a le rouge, le bleu, et encore un bleu. Ok, ok, ainsi de suite, ainsi de suite. 15 couleurs différentes. D'accord. Et c'est normal, là? C'est de la cobble, de la stone? C'est pas fini, en fait, là. C'est encore en préparation, donc... Ok, très bien. C'est le design anti-creeper. D'accord. Ok, bon, ben, ça risque de promettre. On verra dans la prochaine vidéo si c'est rentable, ce petit truc. Moi, j'adore un truc. Bah, il y a quand même une petite expérience au fond, là. Moi, j'adore les trucs, c'est le four volant. Ouais, c'est pas mal, le four volant, ouais. Bah, en même temps, ils ont creusé le sol tout à l'heure, je pense. Une chèvre aussi. Donc là, vous avez un petit élevage, là. Attendez, si j'arrive à passer... Ouais. On peut voir qu'ils se sont fait plaisir avec les vides de couleurs. Ouais, j'avoue. Bah, en même temps, c'est fait pour ça. Avec les néons. En même temps, c'est fait pour ça, j'ai envie de dire. On pensait faire une couleur, peut-être plutôt que mettre de la laine, faire des vides de couleurs. C'était un test, en fait. D'accord, ok. Voir lequel était le mieux. Ouais, ça pourrait être un peu trop flash, je trouve. C'est flash, mais... Ouais, faudrait essayer. Ça fait joli avec la bûche qui est un peu sombre. Ça se vaut. Donc, on continue. Mais le toit, on le doit à notre petit caméraman qu'on ne verra pas. Ah ben, non. Si, on peut me voir. Regardez, c'est moi, c'est Becca. Coucou. Donc... Grâce à la magie du F5. Eh oui, la magie du F5, exactement. Donc... Vous avez vu, il est moche, son signe. Eh oui, il est moche. Mais bon, comme Sam. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, évidemment. Il va bientôt remettre son costard, hein, pour les visiteurs. En même temps, toi, t'es pas si beau non plus, hein, Sam. En même temps, c'est un skin téléchargé, hein, évidemment. Hein. Mais justement, c'est pas assez pour. Ça ne gagne pas tout ce qu'on veut. Donc, on reprend la route, c'est parti. Donc là, nous dirigeons dans quel côté? Mais là, vers plutôt la zone commerciale, qui sera vraiment la zone où les gens vendront. Bon, ben. Les barrages. Observez le petit barrage en prototype. Hein. Voilà, pas voilà. Encore fini, bien sûr. Oh merde, je suis tombé. Ah, mais bravo. Mais c'est pas volé. Ouais. Je me suis fait prendre mon stuff. Donc voilà. Non, ma pioche. Donc petit barrage. Oh non, il faudra que je descende. Oh bah, désolé Sam, tu es tombé. Excuse-moi, j'avais pas vu que t'avais un skin aussi beau. C'est pour ça. D'origine, c'est un skin pour le PVP, et vu qu'on est dans un désert, il faut bien un skin jaune. Non. Donc Domi, je t'ai perdu, où tu es? Ah, t'es là. Je reviens. J'aimerais voir ton beau skin, toi, parce que ton armure, c'est joli, mais c'est mieux ton skin. Voilà. Skin téléchargé. Non, qui a été modifié, mon ami. Et alors, je vais, pour pas mentir, on va le dire, j'ai pris une base qui était déjà existante et j'ai totalement remodifié à ma sauce. Donc, on va dire de Final Fantasy. Hein, voilà. Tout le monde, les fans reconnaîtront Final Fantasy 7, c'est sûr, c'est sûr et certain. Donc, nous arrivons à la place du marché. Donc, vraiment, on a laissé libre choix tous les participants qui décidaient de construire. De faire une petite maison à leur guise, quoi. Donc... D'accord. Ben, on va commencer par la première, c'est ça qui cette voilà, je ne sais pas, elle a été construite aujourd'hui. C'est Shizen, je crois, non? Oui, j'arrive à la forge, j'arrive, je suis parti récupérer mon stuff. C'est la forge à Shizen, ça, non? Oui, et à part. La forge. Vous avez pas mon épée? Il est là, vous le voyez là, beaux yeux bleus là, c'est celui-là, hein, il est là. Je vais récupérer mon stuff. Vous avez pas une épée en diamant, s'il vous plaît? On te la rendra tout à l'heure. Non. Donc, ouais. Donc ici c'est la forge, donc voilà, comme vous voyez, il vient à peine de la finir tout à l'heure. Il n'est pas encore aménagé. Ouais, mais ça commence bien plutôt.
La petite. En fait, là où tout le monde se trouve pratiquement dans le grand couloir de l'entrée, c'est la zone des visiteurs. C'est là où tous les forgerons poseront les coffres et achèteront et les visiteurs achèteront les armures et les armes. D'accord. Et l'autre côté avec la lave, c'est la partie du travail des forgerons. D'accord. Deux étages et j'ai pas encore fini de faire un sous-sol. Ok, ok. Bah, très bien. Très attention, bien. La nuit arrive, les monstres reviennent. Ah oui, on entend ça. Pour la vidéo, j'ai tué une araignée. Hein. Ok, bon, moi je vais passer par là, désolé, Shizen. Je suis là. Aragorn, tu fous quoi? C'est pas pour vous commander, mais vous pouvez guetter autour de BK, voir s'il n'y a pas un creeper ou quoi qui va venir interférer. Ouais, non, ça va, j'ai assez de guerriers ici pour assurer ma défense. Donc, on va passer. Là, c'est à qui cette barrière? Il n'y a pas de panneau. Donc, c'est à Maël. Donc, Maël, désolé, mais je crois qu'il n'est pas là. Donc, je voudrais ajouter un petit commentaire. Oui. Depuis tout à l'heure, pendant que je construisais ma forge, il y avait des araignées, des zombies, des squelettes qui spawnaient chez lui. D'accord, ouais, donc il a pas éclairé. Il ressortait en plus. Donc, ici, c'est à qui ça? Ah, ici, c'est la maison. Attention, absensible. La bouchaïd Halal. Attention de la chute. Il y avait marqué Halal. Il faut préciser. Il répondra Halal. Voilà. Il vient du Halal. Voilà, c'est le restaurant, c'est la boucherie de Atman, donc il n'est pas présent aujourd'hui, hein, évidemment, mais bon. Je tiens à préciser que Atman est un arabe. Ouais, oh. Mais il est halal. Il est halal. Mais si les gens n'avaient pas compris, donc c'est parti. Bon, bah, on va faire la suite des magasins. Alors, je ne connais pas moi les noms personnellement. Donc c'est à qui cette maison là? Donc ici, on ne sait pas. Truffaut, je crois. Truffaut ici. D'accord. Bon, y a rien. En même temps, comme je vous le disais précédemment, c'est en construction, donc il y a beaucoup de joueurs qui ont fait des constructions et. Bon, le rythme surtout aussi. Hein. Ouais. Il y avait Orenbo, mais là il vient de se connecter. D'accord. Non, mais je suis avec Orenbo. D'accord. Oui. Donc là, la fontaine, c'est qui l'a faite déjà? C'est Orenbo. C'est Orenbo aussi, ouais. C'est moi-même, donc j'ai fait cette fontaine d'après certaines inspirations vues sur le net. D'accord. Donc j'ai fait des remixes, j'ai fait divers essais, tout ça, et pour arriver à ça. Ouais, franchement, ouais. Ça va faire une belle fontaine de place, ça va être super joli. Et donc voilà, hein. Je pense qu'on a fait le tour du serveur, à part si j'ai oublié quelque chose. Je ne crois pas. J'ai oublié deux boutiques. J'ai oublié deux boutiques, où ça? Belle idée là, des fonds. Oui, celle-là, c'est vrai. Donc celle-là, Matt Fox. Donc Matt Fox, je te laisse la parole. Donc explique-nous ce que c'est comme magasin. Alors, en fait, c'est un magasin de menuisier. J'avais fait en accord avec Orenbo. D'accord. En fait, on partage le même magasin. Ok. Donc c'est. Où sont les séparations des deux magasins? On va dire qu'ils sont un peu à tout le monde. Et voilà. Et donc, j'utilise principalement que du bois pour. Collé avec l'image du serveur menuisier et je... D'accord. Voilà. Très bien. Et le dernier bâtiment que j'ai déjà visité, je crois, ouais, il est à Pars, mais bon, comme vous voyez, certaines personnes sont pas présentes évidemment aussi, donc ils peuvent pas nous expliquer un peu ce qu'ils devaient faire ici. Donc voilà. Il me semble qu'il voulait être forgeron aussi. Oui, forgeron, ouais. D'accord. Ok, qui veut prendre la parole pour inciter certains joueurs à rejoindre notre serveur et pourquoi? Qui c'est qui a envie de dire quelque chose ici? Personne. Bah, c'est tous. Personne. Vous êtes timides les gens, hein, vous êtes moins timides hors caméra. Hein. Ça se bouscule au parti. Hein. J'avoue là que il y aurait 5 minutes quand ça filmait pas, il se serait battu pour qui devait parler, mais... Ouais, bah Domi, si tu veux dire 2-3 mots, vu que toi tu n'es pas timide du tout. Moi je dis pas non, quand même. Ah, Aragorn. Allez, Aragorn, tu voulais parler tout à l'heure, je te laisse la caméra. Attention, ça tourne. Ouais, bon, alors, je vous dis que c'est un très bon serveur. Bon, arrêtez avec votre rotten flash, là. c'est un bon serveur, solidaire. Si vous avez besoin de quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous le donner ou n'importe quoi, pour les constructions, etc. D'accord. Et si vous avez quelque chose à dire dans les commentaires, dites-le. Voilà.
Donc sur ce, je vous dis à très bientôt tout le monde. Merci d'être venu pour cet avancement de serveur. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le bonne monde. Bonne année. Bonne année. Ciao, ciao. Bonne année 2012. Allez, la vidéo. Ciao, ciao.